Ce fut une première expérience réussie sur la rue Wellington Nord à Sherbrooke samedi midi. Bouffe-t-on sans trop est un nouveau concept de fête urbaine piloté par l'Association des gens d'affaires du centre-ville. La rue a été fermée à la circulation automobile et les commerçants ont offert aux piétons divertissement et bouchées gastronomiques. Vous savez comme moi que sur la rue Wellington, on a de la belle restauration, on a des commerces de détail, on a des belles boutiques, on a des commerces qui sont liés par le fait qu'on est spécialisé, indépendant et extrêmement compétent. Puis, pour se faire connaître, du reste de Sherbrooke et des environs, on fait des fêtes. Aujourd'hui, c'en est une. Bouffe-t-on sans trop, c'est un endroit où, kiosque par kiosque, on peut passer, découvrir la restauration du centre-ville de Sherbrooke, puis la découvrir en bouchée, rencontrer les chefs, les restaurateurs. Puis au travers ça, DJ, hors de rue, on est en train de tricoter l'hôtel de ville, il y a des shows de skateboard là-bas, puis de casser le stéréotype de « moi, ma vie, je la passe au Walmart », puis de faire comme « Monsieur Walton, là, il est bien, bien loin de chez nous, puis il habite pas chez nous, puis il dépense pas son argent chez nous. » Fait que je pense que si on a une scène commerciale qui est forte puis dynamique, notre ville va aller mieux. Moi, je pense que la rue va bien, mais la rue est fragile. Puis c'est pas vrai que tous les commerces sont pleins. Puis c'est intéressant de voir que, justement, la ville a cette volonté politique-là de pouvoir rediriger les gens en les incitant vers le centre-ville puis d'orienter ses communications là-dessus. On a besoin de ça. Bien, moi, je trouve que c'est une bonne idée pour pouvoir découvrir peut-être des endroits où on irait peut-être pas spontanément. Tout le monde devrait venir essayer ça, le bouffe-ton sans trop. C'est merveilleux. C'est vraiment le fun de rassembler tout le monde au centre-ville comme ça, puis de s'amuser, c'est familial pour tous les âges, tous les goûts, les activités. Yes! Je trouve que c'est super le fun d'avoir une rue piétonnière comme ça. C'est super beau, les gens se rassemblent, il y a de la bonne nourriture, super bonne idée. Je pense que ça nous permet de découvrir certains magasins qu'en soi, quand on passe en voiture, on s'en rend pas compte du tout. Bien, je trouve ça très bien. D'ailleurs, je suis très heureux que la température, bien qu'on n'était pas certain au départ, tout se déroule très bien jusqu'à maintenant. Oui, à refaire à chaque année, ça, il n'y a pas de doute. Bien, je vois pas pourquoi qu'on le referait pas. Ça lève, c'est plaisant. Fait que bouffe ton centro, venez-vous-en, let's go.